tu fais? Rien. Je digère tes beignets. Où es-tu? Là, sur le pas de la porte. Tu t'ennuies? Mais non. Je regarde la nuit. Ah bon? Il faut que j'aille donner aux poules. Elles ont faim depuis ce matin que je les oublie. Ah, c'est que je suis contente que tu sois venue, ma chatte. Je ne sais plus où j'ai la tête, moi. Tiens, ton tricot, attrape. Oh, Baba, franchement, cette manie que tu as de vouloir que je sois occupée. Mais tu te rappelles quel âge j'ai, oui. Mm-hmm. Tu as compté, 31 bientôt. Et tu sais, à Paris, je me croise pas les bras, hein. Alors ici, ton tricot, je te jure, hein. Enfin, si ça te fait plaisir, donne, va. Mais Caroline, ma chatte, ce n'est pas pour te commander, tu sais. Mais j'ai peur que tu t'ennuies si seule avec moi. Ma maison est si petite. On en a vite fait le tour. Mais non, je suis bien, moi, Baba, ici. Oh, Caroline, mais reste pas assis là, la lune. Ne t'installe pas là, ça rend fou, tu sais, ma belle. Mais descends, va sous les platanes. Allez, va. Mais non, t'en fais pas. Dépêche-toi. Mais non, sur l'escalier, je suis très bien. Au moins, je t'entends. Et je vois loin, loin, loin. Tiens, jusqu'à l'étang de Félix, au moins. Parce qu'on est tranquille. C'est gris de lune partout. Ah, oh, Baba. Ah, ça fait si longtemps que j'ai pas regardé une nuit, tu sais. Pour ça, il faut être chez toi. Au fait, toi qui ne viens jamais à Paris, si tu avais vu hier soir la gare, il y avait... Oh, Baba, sois gentille, s'il te plaît. Pousse un peu la porte dans mon dos, ça fait courant d'air avec la fenêtre de la cuisine. Baba? Ah. Ah, elle est partie au poulailler, elle a laissé la porte ouverte. Bon. Eh bien, voilà. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah, ah. Oh, quelle jambe, seigneur! Fuselée, mais brutale. Oh, mais qui êtes-vous, monsieur? Vous permettez que je reprenne, si je puis dire, souffle sur les marches de vieux granit. Je me ploierais bien un moment si vous consentiez à me faire une petite place, là. Pardonnez-moi. Peut-être aurons-nous le loisir de prendre quelques bouffées de nuit ensemble. Oh, mais est-ce que vous brassez comme air, vous? Pardi, ma chère, le moyen de faire autrement, je suis un... Souffle. Un peu... vanillé. Un souffle vanillé. Comment? Chère petite, comment avez-vous eu vent de... Mais je le sens. Vous exhalez un parfum... Monsieur... Ghost. Ah. Vanille Ghost. Oh. Oh, vous êtes fine. Très fine, en vérité. Comment ça? D'avoir senti. Ça n'est pas la généralité, pas du tout. Les gens manquent terriblement de ça. Ah. Ils ne flairent rien, voyez-vous. Si nous n'avions pas nos prothèses, vous savez, ce serait comme si nous n'existions pas. Remarquez. Justement, j'ai des confrères qui les portent trop, beaucoup trop. La facilité, oui. Moi, il faut que je ne puisse pas faire autrement. Je les prends en désespoir de cause et le cœur meurtri. C'est si douloureux de n'être pas reconnu pour ce qu'on est. Vos prothèses, vous voulez dire... Chaînes, bien sûr, vous ne connaissez que ça. Tenez, si ça vous amuse, j'en ai une paire dans ma poche. Eh oui, chêne. Chêne et suaire. À deux doigts de l'accro. Quant à moi, heureusement, j'ai changé. C'est un peu futile, mais il y a des riens qui font chaud. Tenez, regardez ça de près. Oui. Ah oui, ça paraît léger. N'est-ce pas? Cachemire et soie. Et douillet en toute saison. Cachemire et soie. Oh, j'adore ça, moi. Ah, chère petite, vous m'enchantez, vous êtes sensible. C'est si rare. Et c'est ma chance. Car nous n'aurions jamais eu, sinon, cette rencontre exquise sur ces marches usées.
Dites, à part ça, vous me situez un peu parmi les autres fantômes? Vous situez? Oui. Oh, c'est le B.A.B.A., évidemment. Je vais enfoncer des portes ouvertes. Comme toujours. Mais non, soyons sérieux. Vous connaissez mes tenants et mes aboutissants? Je suis apparenté à la très vieille, à la fameuse souche des ghosts. Par les arômes, évidemment. Et vous ne vous éventez pas cette branche-là depuis le temps? Nous éventer? Dieu, quel est cocasse à vous sortir ces choses avec ces yeux bleus qui vous fusillent. Oh non. Non, mais dites-moi. Mais vraiment, vous ne me voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous pensez à ce qui s'émousse, à ce qui traîne aux quatre vents. L'odeur du pain chaud ou de la giroflée, par exemple. Ma pauvre petite. Non, vous verrez. Vous verrez quand vous viendrez chez les ghosts. On n'a pas de ces caprices. Rien à craindre. On est fixé. À jamais. Et presque tous latins, du reste. Nous, les arômes, c'est amusant, mais c'est comme ça. Et puis alors, bien sûr, vous avez tous ceux qui remontent à la souche par un autre sens. Ah, le sens musical, par exemple. Des accords. Plaqué. Oui, fillette, accords plaqués. Ceux-là sont charmants, mais invivables. Une sensibilité des Slaves, c'est tout dire. Terriblement sentimentaux, avec sa fugueur. Enfin, question de prédominance, tout ça, on ne choisit pas. Vous voyez, si je voulais dramatiser, je dirais que nous avons tout perdu. Tout, sauf ce vieux fond de nous-mêmes. Irréductible, Caroline. Comment vous faire comprendre la fleur qui reste dans l'écu de bouteille vide? Vous voyez un peu? Très bien. Oui, je vois très bien. C'est logique. Et vous? Quoi, moi? Non, je ne parle que de moi et de mes généalogies perdues, mais vous? Moi? Bah, vous voyez, je tricote. Ah, oui. Mais pourquoi faire? Pour ne pas perdre mon temps. Ah, ben, ça doit vous faire drôle, hein? Oui, j'avoue que je ne saisis pas très bien. Ben, c'est Baba. Elle veut que je tricote. Baba a toujours travaillé. C'est ma nourrice. Je suis venue passer le week-end chez elle. Elle me bassine mon lit et puis elle m'oblige à tricoter. Elle raconte aussi que le clair de lune rend fou et qu'il le roussit les franges de cheveux. Et plein d'autres choses. Et elle fait très bien les pennons et les beignets. Oh, ça me change de Paris. Paris? Paris, oui. Paris-Lutèce. Ah, non. Non, ça ne vous dit pas plus. Ah, ben, je sais pas, moi. Ben, vous voulez des références? Ben, ce ne sont pas les parfums qui manquent, hein. Numéro 5. Femme. Arpège. L'air du temps et tout le reste. Ah ben, c'est de votre branche, ça, non? Oui, enfin... Eh bien, justement, ils en sont. Attendez, qu'est-ce que je pourrais bien vous donner comme repère encore? C'est très grand, et... Oh, oui, suis-je ce grand soda champagnisé, bien sûr, j'y suis, mais pernicieux, hein? Traître, on y prend goût... Oh, traître, il y en a qui s'y font. Les arpèges, les airs du temps, les femmes, et tous vos cousins, là. Ceux-là. Ben quoi, ceux-là? Ou des marginaux, à mon sens. Ah. Enfin, je peux même dire des putains. Parce que? Ils se vendent. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, vous ne faites rien, c'est bien pire, on se demande de quoi vous vivez. Vous savez, je ne fais que survivre. Ben, en parasite, quand même. Tenez, écartez vos manches, hein. Vous allez m'aider à bobiner mon écheveau. Pour une fois, ça ne vous fatiguera pas trop. Vous paierez au moins la location de l'escalier, depuis le temps que vous devez pirater la maison de Baba. Je ne dis pas non, je serais enchanté de vous rendre service, vous pensez bien, mais comment cela? Mais non, tenez vos manches. Enfin, gosse, un peu de nerf, quoi. Ah, et du nerf. Hélas, Caroline... C'est comme si vous disiez « ghost » de la chair et du sang « ghost ». Oh, pardon.
C'était maladroit de ma part. Eh bien, attendez, il doit bien avoir un moyen de s'arranger, hein? Ah oui. Mais je sais, déployer vos ailes de fantôme, Ghost. Faites comme les autres pour une fois. Jouez le jeu. Là. Eh bien, vous voyez, c'est parfait. Et en plus... Oh, vous avez des ailes si jolies. Oh, mais moi, je vous aime mieux comme ça, vous savez. Vous avez tort de ne pas les porter plus souvent. Oh, elles vous rajeunissent. Pardonnez-moi, Ghost. J'ai été brusque. Mais je ne savais pas. Oh, mais vous êtes gentil de m'aider. Quand même. Oh, ben, Baba sera contente de voir que je travaille. Et vous ? Pas trop inconfortable ? Oh, parfait, parfait. Au contraire, je plane, hein, comme autrefois. Je plane et je me rends utile, alors, vous voyez. Dites. Oui, Caroline. Vous étiez quoi, avant d'être Ghost ? Moi ? Commandant de bord, marine marchande, compagnie des Indes. Vous avez entendu parler de ça ? Attendez, oui, oui, je... Non, non, ne faites pas semblant, vous savez, ça ne me froisse pas. Mon secteur, moi, c'était les mers du sud. Cargaisons diverses, des épices, aux soies sauvages, chintz, racines d'iris, santal, porcelaine à grains de riz, enfin, je pourrais vous en énumérer comme ça. Et pas de passagers ? Si, bien sûr, si. Oh, ça alors, les passagers, dans de la très belle clientèle. Interlope, souvent, bien entendu, mais fastueuse. D'une élégance, toujours. Beaucoup adoraient venir prendre un vieux mar le soir dans ma cabine, à cause des bruits, craquements. Et par grosse mer, surtout, ça faisait un fracas superbe. Il y avait... Des femmes ? Oui ? Bah, oui ou non, ça me tracasse, ça. C'est... Question difficile, hein ? Vous allez m'en vouloir, Ghost, mais... Enfin, vous êtes si affecté. Vous aimiez les femmes, dites. Mais par moments, il me semble que... Si je les ai aimées, ma chère... Elles m'ont tué, oui, achevé. Ne me demandez pas comment, je suis réservé là-dessus, vous comprendrez bien, mais... Enfin, Caroline, je les ai adorées. D'ailleurs, c'est simple, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, c'est... Si frôleur, hein. Oui, enfin... Ah, si malin pour attraper des courants des jupes, hein. Ah oui, Vanille, pour ça, vous êtes ficelle, hein. Vous étiez déjà là tout à l'heure, quand j'ai des babas à débarrasser la table. Bah, ne me dites pas le contraire, avouez. J'ai bien senti. Oh, ça m'a fait rire entre nous quand vous m'avez demandé avec cette voix compassée si vous pouviez vous ployer près de moi sur les marches de la maison. On est un peu hypocrite chez les arômes, non ? Oh, Caroline... Attention quand vous parlez, Vanille, pas tant de gestes, s'il vous plaît. Voilà, voilà, ça y est, mon écheveau. Oh. Non, écoutez, arrêtez donc de tricoter maintenant, ça devient agaçant, je vous jure. Vous n'avez pas l'esprit à ça, il n'y a qu'à vous regarder, moi non plus. Alors arrêtez. Mais laissez donc, quoi. Je tricote sans y penser. Bah, ça gêne personne et ça fait plaisir à Baba. Elle dit qu'au moins, comme ça, je perds pas mon temps. C'est absurde, Caroline. Ma pêche. De toute façon, vous ne voyez pas. Quoi ? Là, devant vous. Devant moi ? Rien, je vois rien. Si, quand vous tricotez là, tenez, elle volette juste au-dessus des framboisiers en ce moment. La petite pluie du temps. Vous pouvez tricoter serré, vous savez, vous ne la coincerez jamais. Elle passe entre les points. C'est une mouture de pluie très, très fine. Et d'un volatile, on ne la retient pas. En tout cas, félicitations, vous avez un temps perdu ravissant, un temps bleu. Comme dirait un de mes cousins, Ghost d'Arabie, qui a cette langue imagée des orientaux, oui, c'est un temps bleu, bleu lilas,
exactement, avec fond d'outre-mer. Très beau temps, ma mignonne. Ah. Et vous? Comment moi, ma petite Caroline? Vous-même, personnellement, que diriez-vous de ce temps perdu? Ah. Vous, Gaul? Fuit! Ah oui, vous ne savez pas dire. En dehors de vos phrases à tralala, les choses ordinaires, les choses qu'on attend, ça... Mais c'est ça qui vous a tué, hein? Avec les femmes qui venaient prendre le vieux mar sur ces fameux bateaux. Oh, mais seulement je vous vois venir, moi, je vous dis. Vous êtes terriblement maniérée, mais c'est pour dissimuler votre cœur. Vos plis de cachemire et soie, mon cher fantôme, sont pleins de frisliers à chaque instant. Et vous exhalez un brouillard d'émotions quand, par hasard, sur les marches de l'escalier, mes bras touchent vos manches. Caroline, ma pêche. Oui. Non, ne me touchez pas. Je vous assure, ce sera tout aussi charmant. Oh, mais pourquoi donc? Pourquoi? Vous faites froid? Vous enrhumez? Ah bon, j'ai compris. Je ne bouge plus. Mais ne prenez pas cet air-là, va. Vous allez bientôt me faire peur, mais... Mais pourquoi, dites? Tout à l'heure, vous m'avez bien fait toucher votre robe de cachemire pour que je me rende compte comme elle était douce. Pourquoi vous reculez maintenant? C'est que vous êtes si charnel. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point, Caroline, pour moi, c'est... Vous êtes mariée? Oh, quelle question! Non, mais cette fois, je me demande lequel des deux est le plus temporel et banal. Non, mais vous êtes bête, fantôme. Vous auriez pu me dire... Caroline, changez-vous d'amant à chaque quartier de lune? Caroline... Est-ce que les hiboux voyeurs vous font vraiment froid aux yeux? Caroline, préférez-vous les nuits noires ou les bois dormants pour écouter galoper les cavaliers des dunes? Aimeriez-vous, Caroline, un rossignol de Chine ou un ange musicien à la place du gendarme qui fait passer dans les clous rue de Bussy? Aimeriez-vous... Oh, je ne sais pas, moi. Ghost, il y en a des choses à demander avant ça, mais ça... Oh non, quelle platitude! Oh là là, non, vous m'amusez, Caroline. Je vous jure, vous me flattez en plus, ma pêche, à me provoquer si violemment, c'est... Ma pêche? Pourquoi dites-vous ça sans arrêt? Mais, parce que... Oh, enfin, pour rien, non, mais pour si. Rien. Expliquez. Mais non, je vous dis... Oh mon petit ghost, répondez-moi. Pourquoi ma pêche? Mais voyons, parce que ce sera votre attribut, c'est évident. Mais... Je veux dire, sur une projection infiniment lointaine du temps, bien entendu. Non, ne faites pas ces yeux-là, Caroline, chaque chose a son heure. Il en tombera, rassurez-vous, de la fine pluie bleue d'ici là. Mais dans très longtemps, oui, je vois une délicieuse petite pêche ghost. Moi, tirant de la branche des arômes, ce qui me touche tellement. Des arômes vénusiens, au surplus, vous avez de la chance, ce sont les mieux aimés. Ils s'incarnent une heure ou deux, chaque printemps. Chaque printemps, vous vous rendez compte, ma pêche? Ah, oh. Baba! Oui? Baba! Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, je suis occupée. On vient quand même, Baba! Caroline, je peux pas venir tout de suite. Il faut que je vague mon coq Alexandre. Il s'échappe tout le temps, cette canoë. Oh, mais veux-tu venir ici, sale bête? Oh, reviens. Oh, non, c'est pas possible. C'est le diable, celui-là. Veux-tu ne pas aller sur les filles à présent? Oh. Et Baba qui me laisse tomber maintenant. Et vous? Moi? Je vous ai fait du mal? Vous me voyez déjà en fantôme. Mais ça fait drôle, je vous jure. Oh, je sais, c'est gentil, Vanille, de vouloir me confondre avec les pêches de vos rêves. Seulement, voilà, moi, j'y tiens pas. Mais pas du tout. Enfin, Caroline,
Vous avez tort, fillette. Pourquoi avoir peur d'en connaître plus sur soi-même, hein? Tenez, un vin, quand il en vaut la peine, mais juste dans ce cas-là, on dit qu'il a un goût de violette ou d'autre chose. Ça n'est pas pour le détruire, au contraire. Oui, bien sûr, ce n'est pas pour le détruire. N'empêche qu'à la fin, il reste quoi? Quelque chose, fillette. Pas grand-chose. Dites plutôt ça. Si. Quoi? De la fleur, au fond. Je vous ai déjà expliqué. Oui. Bon. Ben moi, j'ai envie d'aller faire un tour, hein. Hé, hey, Baba! Oui? Ne me cherche pas, je m'en vais un moment. Oui, Caroline. Oh, oui, c'est ça, très bonne idée, Caroline. Marcher, c'est toujours bon quand on a un petit problème en tête. En général, ça vous éclaircit les idées. Allez, allez, ça vous fera du bien. Ah, oui, mais pas seule, hein. Moi, je suis angoissée maintenant. C'est votre faute, avec tout ce que vous m'avez raconté. Alors, accompagnez-moi. Oh, mais c'est que marcher, moi, planer, volter, je ne dis pas, mais oh, marcher, Caroline. Eh bien, vous n'avez qu'à vous lester un peu pour une fois. Prenez les chaînes, tenez. Ah, les chaînes. Ah, ben, elles sont faites pour ça, oui ou non? Où sont-elles? Ici. Vous les aviez laissées tomber sur l'escalier tout à l'heure. Ah, oui. Bon, mais je répugne à m'encombrer de ça. Si vous saviez l'effet que ça me produit, ça, vous voyez, Caroline, à mon sens, c'est vraiment le châtiment éternel, l'emplâtre sur la jambe de soie. Enfin, prenons-les puisqu'il n'y a pas moyen de rester tranquille. Mais vous êtes terrible. Il faut toujours quelqu'un en laisse pour vous. Quand ce n'est pas Baba, c'est Vanille qui doit marcher à votre botte. Vous ne faites rien seul, même pas réfléchir. Enfin, le moyen de refuser une compagnie comme la vôtre. Ghost. Eh bien, allons. Allons maintenant que c'est décidé. Passez devant. Je vous suis. Tiens, voilà le platane, l'escalier, ça ne doit pas être loin. Oui. Allons nous asseoir. Ah. Un chien. C'est le premier qu'on entend. Vous avez remarqué que nous n'avons dérangé personne en marchant? Pas un chien, pas un chat perdu, pas une branche, même pas la surface de l'eau, quand je me suis trempée en passant chez Félix. Et lui, Félix, n'en parlons pas, il s'est aperçu de rien. C'était complètement flou, cette balade. Je soupçonne que vous y étiez pour quelque chose. Entre parenthèses, ça m'a plu. En tout cas, je vous ai fait trotter. Ça, j'avoue qu'à certains moments, j'ai cru que nous ne trouverions jamais la même longueur de souffle, peu ou prou. Peu ou prou, ces mots que vous sortez par moments. Ah ben, ça fait très compagnie des Indes, hein, ça, peu ou prou, très rétro. Mais vous le dites avec un charme. N'empêche que vous avez drôlement bien tenu le coup. Oh. Vous voyez que vous supportez vos chaînes quand vous êtes décidé. Le tout, moi je crois, c'est de vous mettre dans la tête que ce n'est pas une contrainte. Ah, ça vous va. Vous avez vu comment vous êtes habillée pour cette promenade? Vous n'aimez pas les dos nus? Oh, voyons. Vous cherchez quoi? Un compliment? Mais non. C'était pour savoir. Dites. Oui, Caroline. Vous ne regrettez pas la balade floue? Cette question. Évidemment, non. Pas dans l'immédiat, là, tout de suite, c'était radieux.
cette flânerie nocturne avec vous, au milieu des étangs, des bois endormis, Caroline. C'est radieux, mais il y a des lendemains qui ne sont pas faciles à vivre, je vous garantis. Moi, je les vois venir. Non, oh là, alors vous parlez comme n'importe qui. C'est rasoir, j'aime pas. Surtout, ça fait déjà vécu. Pour un ghost, c'est pauvre, pauvre. Non, franchement. Caroline ! Oui, Baba ! Caroline, tu vas avoir froid. Il fait très humide à cette heure. La lune boit. Moi, je vois ça du poulailler. Si tu veux absolument rester au jardin, alors va prendre les châles noirs à la cuisine. Vas-y, Caroline. Ok, Baba, j'y vais. Vous avez entendu ça? Hein? Hein? Quoi, ça? Les accords quand Baba parle. Les accords qui dégringolent. Et gaiement? Oui. Eh bien, oui. Baba tire de la branche musicale des ghosts. Tirera. N'anticipez pas, je vous en prie. J'en ai assez pris pour mon grade tout à l'heure. Ne remettez pas ça avec Baba. Oui, mais au fait, je me demande pourquoi j'ai entendu ça, moi, maintenant. Bizarre, oui. Là, ma petite, permettez-moi de vous dire que vous l'avez cherché. Cherché? Ne vous étonnez pas que tout soit changé maintenant. Je ne voulais pas vous accompagner, c'est vous qui avez insisté. C'est terriblement ambigu, ces promenades, Caroline, sans compter les petites haltes frôleuses, hein? Au bord des étangs, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien de sensé, c'est même une pure folie. Vous jouez trop et trop bien avec les feux étranges de la lune. Ma pêche. Et regardez le résultat. Tenez, nous voilà bien. Un méli-mélo, le télescopage complet. Moi, je tiens des propos d'un temporel achevé. Quant à vous, et là, à mon avis, c'est encore beaucoup plus dangereux, vous vous mettez à entendre ce que vous ne devriez jamais avoir entendu. Oh, que je ne devrais jamais avoir entendu. Il faut rien exagérer sur l'importance de la révélation, hein. Je m'en doutais bien, va, que Baba pouvait se raccorder. Peu ou prou, au ghost musicien. C'était à parier, comme au jeu des sept familles, où les fleuristes s'appellent tous roses. Ce n'est pas plus dur que ça, devinez, oui. Elle a un derrière énorme, des hanches faites pour onduler, et un sens du rythme. Quand j'étais petite, je tapais sur n'importe quoi, et Baba dansait comme une sorcière noire. Elle a dansé très longtemps même, jusqu'à son arthrite. Elle vient d'où, Baba? Expliquez-le-moi, tenez, ça m'éclairera, parce qu'en fin de compte, je n'ai jamais su... Elle vient d'où? Mais des Antilles, exportées et avec des épices et d'autres choses, oui, oui. Tiens. Vraiment, ça vous étonne. Moi qui pensais qu'entre Baba et Vanille Ghost, il y avait des rapports directs, ça vient à l'esprit, non? Non, ça n'est pas si net. Oh non, non, bien sûr, je suis moins exilé chez elle que chez n'importe quelle autre vieille femme du village. Elle a le sens des oripeaux colorés. Mais pas exorbitant, elle. Baba vit en coton. Oh oui, mais quelle merveilleuse cotonnade. Fibres impalpables, tons éclatants. Et puis enfin, Baba met beaucoup de rhum dans ses gâteaux. Et je suis sensible à ça. Les effluves de rhum blanc dans un intérieur, fut-il modeste, il y a autour d'elle un charme exotique, encore qu'émoussé. Et ce n'est pas pour me faire peur, pas du tout, ce côté éthéré des souvenirs de Baba. Je flotte chez elle, en pays conquis. C'est vrai, ça, je ne le nie pas, Caroline. Cela dit, pour un baroudeur des mers comme moi, Vanille Ghost, être assigné à résidence dans cette fermette solognotte, c'est un peu dur, souvent. On ne s'ennuie jamais chez Baba. Oh, jamais, jamais, je dirais surtout qu'on se résigne. Et puis c'est vrai qu'à la longue, la force des choses qu'on a le plus aimées, le plus désirées, se perd. On se tasse, on s'assoupit sur une odeur, toujours la même. Et on s'en contente parce qu'elle est familière, simplement pour ça. On oublie. On oublie ce qu'il y avait de poignant. Oh, les fins de journée, surtout sur le pont de ces voiliers à grande vergue. Se laisser prendre par le soir qui vient. Chut, sans prévenir. Il vous viole dans certaines mers le soir, Caroline. Et puis,
pourquoi. Juste après, à la lueur des chandelles, les femmes avaient ce regard, comme le vôtre en ce moment, Caroline. Chaviré. Et si présent en même temps. C'était pourquoi. Pourquoi déjà, on n'en saurait plus dire, à cause des chandelles vacillantes ou d'autres choses, plus troubles peut-être. En effet, une hypnose, une attente. Mais qu'est-ce que vous faites, Caroline? Je penche la tête sur votre épaulette. 10 heures d'histoire. Vous dites les histoires si bien, Vanille Ghost. Oh. Oh, mais je... Vous me faites un peu froid. Ah, je vous avais averti pourtant. Je m'en doutais, fillette, que vous aimiez les tempéraments sanguins, ceux qui font chaud quand vous mettez la tête sur leur épaule, hein? Eh bien, avec moi, ma petite, vous êtes servie. Je suis froid. Froid. Le cachemire et la soie n'y font pas grand-chose. Ce sont des cache-misères, des linceuls, des houppelandes de pierrot maigre. Arrêtez. Taisez-vous. Vous ne savez plus ce que vous dites. Vous divaguez, oui. Oh, Vanille. Je n'ai pas voulu vous faire de mal. J'étais surprise, voilà tout. Parce qu'avec votre façon de parler et de marcher si facilement avec moi tout à l'heure... Si facilement, avec des béquilles. Ces chaînes, si je ne les avais pas eues, je n'aurais pas tenu 10 pas avec vous. Mais je me disais, moi, on sentait vraiment qu'on allait... Oui, on se sentait plus rêver. Oh, excusez-moi, Caroline, ce sursaut de violence était une bouffée de jeunesse. Ah, cette... Caroline. Oui? Je crois que je vais vous... Quoi? Vous humer. Oui, oh. C'est ça. Vous humer pour toujours. Bel amour, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dites-moi, hein? Oh. Oh, ça n'ira pas très loin entre nous. Oh non, si vous aimez les forts des halles et les sanguins, moi, à côté de ça, je n'ai à vous donner qu'un très léger souffle de tendresse, exténué. C'est mince, évidemment. C'est si mince. Oh. Oh, allez, ma pêche. Vous n'aurez plus à vous plaindre des courants d'air dans la cuisine. Vous aurez... Qu'est-ce que vous fabriquez? Où reculez-vous maintenant? Un peu plus loin. Chut, ne vous souciez pas de ça. Où? Dans les framboisiers? Ah, c'est malin. Mais vous ne vous en tirerez pas, délicat comme vous êtes. Vous allez encore filer vos mailles. Solution rapide. Et propre. Ah oui, mais c'est un suicide ridicule, ça. Et pour un homme de votre branche... De quoi ça aura l'air, hein? De la fumée, une baudruche qu'on crève, un pain à la vanille, lamentable! À part moi, personne ne s'en apercevra. Mais ni Baba, ni ses poules, à peine ses murs et ses escaliers. Revenez! Je vous aime! Là. Je veux faire plein d'autres promenades avec vous dans les jardins de lune, et vous sentir derrière mes jambes nues quand j'irai me baigner dans les temps de Félix. Oh, je vous en prie, mon petit Vanille! Ghost! Caroline! Qu'est-ce que c'est doux, Jésus? Caroline! Oh, mais tu pleures, mon petit chat! Mais pourquoi donc, dis? Oh, Baba! Baba! Oh, c'est idiot! Ce pierrot maigre, à l'entendre, il va se noyer dans tes framboisiers! Qu'est-ce que c'est? Un conte à dormir debout, ça. Oh, je t'avais bien dit, Caroline. Rêve de lune, rêve d'écume. Hey, regarde-moi. Tiens. Oh, le temps où tu t'es mise. Ah, tu n'es pas belle, ma fille. Allons, viens, rentre avec moi maintenant. Viens. Baba, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vois, j'ai fermé la porte sur cette sacrée lune et j'éclaire la bougie.
Là, on est bien tous les deux, non? Oh non, tu pleures encore. Oh, Baba, je peux pas te dire. Écoute, tu vas aller te coucher sous la couverture piquée. Tu l'aimes bien celle-là, hein, Caroline? Avec les fleurs de pavot, tu sais? Oui. Et je t'ai mise la pendulette avec les carillons de Londres sur la table de nuit. Va t'installer là-bas, dans ta chambre. Moi, pendant ce temps, tiens, tu vas voir, je connais une recette mousseuse pour chasser les pierres omègres. Hein? Oh, mais quoi? Quoi comme recette, Baba? L'œil des poules. Va vite, allez! Oui. Je veux faire plein d'autres promenades avec vous dans les jardins de lune. Et vous sentir derrière mes jambes nues quand j'irai me baigner dans les temps de Félix. Caroline ? Tu dors ? Non. Alors, tiens, avale ça. Ouf, mes jambes, oh, que j'ai mal. Oh, pauvre Baba, je te fatigue. Hein. Oh. Et tu as mis quoi dedans pour parfumer? De la... cannelle. Hein? Tu sais bien, j'en mets toujours. Mais pas autre chose, hein? Pas de la vanille? Mais rien d'autre, du sucre, c'est tout. Allez, fini. Voilà. Oh, merci Baba, c'était bon. Bon, ma poule, maintenant tu vas dormir. Ça t'a réchauffé déjà, hein? Tu ne trembles plus. Baba. Quoi? On trouve-moi un volet. Juste un peu. Ah, ça, par exemple? Oh, s'il te plaît, Baba. Oh, j'ai peur du noir. Ah, oh, ce n'est pas raisonnable. Pas raisonnable du tout, Caroline. Là, pas plus. Allez, ferme les yeux. Je viendrai voir dans un moment. Oui. Merci, Baba. Ghost, répondez quoi? Je vous vois, vous êtes tout plié sous le platane. Ça fait un remous sous les feuilles. Les feuilles. Ah. Oh, ce que je suis contente que vous ne pensiez plus à cette noyade idiote. Vous avez vu? Je l'ai bien eu, Baba, avec le volet entrebâillé. Vous exagérez avec Baba. Avec tout le monde, enfin. Vous êtes bien là dans cette chambre. On dirait une cabine de bateau. Oui. Je suis pas mal. Et vous? Ça va mieux les chagrins d'amour? Oh, écoutez. Ah, ce que vous m'avez ému tout à l'heure. Jamais on m'avait fait pleurer comme ça. Caroline, ne recommençons pas. Je suis très lâche. Je vais prendre mes distances, aller quelque part en zone abritée, sous le clocher peut-être, ou... Enfin, je vais voir. Aux distances? Dites votre essor. Mon essor, si vous voulez. Oui, je préfère. Ça va mieux à vos plis, à vos ailes, à votre cœur. Bien. Alors, au revoir, ma pêche. Au revoir, mon chéri. Ghost! Encore une chose! Oh non, quoi encore? Nous sommes très fatigués, Caroline, il ne faut pas... Non, mais juste deux minutes. Je voulais vous dire. À Paris, j'habite rue de Bussy, au 8. Une cour avec un figuier sans figues. Vous me trouverez bien? Peut-être. Alors, bon clocher. Vanille, Ghost, mon amour.
C'était dans la nuit brune, sur le clocher jauni, la lune, comme un point sur un nid.